Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, on est lundi, ça pique un peu, d'autant plus qu'à la fin de la semaine, ce vendredi arrive le raid hardcore. Donc j'imagine que vous êtes tout autant impatients que moi de voir ce raid débarquer. Il faut tenir encore quelques jours, malheureusement. Alors pour tous ceux qui me l'ont demandé, voici la petite technique pour avoir votre personnage niveau 310 de lumière. Donc dans un premier temps, il vous faut bien évidemment la relique à 310, donc cette fameuse relique que vous pouvez obtenir en faisant les quêtes d'Eris dans lesquelles on vous demande d'affronter 3 boss différents dans le raid La Chute du Roi. Donc une fois que vous avez votre relique à 310, ce n'est pas tout, il va vous falloir être extrêmement chanceux dans les loots afin de pouvoir espérer obtenir le spectre à 310 ainsi qu'un item de classe à 310, donc cape, fanion ou brassard, le tout dans le raid La Chute du Roi, encore une fois, puisque sans ces deux items, votre personnage ne pourra absolument pas être au niveau 310 de lumière. Donc une fois ceci effectué, il vous faut encore obtenir le reste du stuff en niveau 310, et pour ce faire il y a quelques petites astuces à connaître. Donc dans un premier temps, il faut avoir bien évidemment encore une fois de la chance dans les loots et notamment dans le raid, puisque c'est ce qui va vous permettre d'avoir plusieurs équipements à 310 de lumière en légendaire, bien sûr. Mais une petite technique existe, il vous suffit tout simplement d'infuser sur votre équipement légendaire un éventuel exotique que vous auriez obtenu en 310. Mais là encore, la question se pose, comment obtenir des exotiques à 310? Donc dans un premier temps, je vous invite à consulter la vidéo de Yoda qui avait réalisé un très bon tuto à ce sujet, et je vais tout simplement vous rappeler quelques idées pour pouvoir obtenir de l'exotique à 310. Donc il existe actuellement 3 possibilités, la première étant bien évidemment de faire le raid, encore une fois, la deuxième étant de réaliser la nuit noire, et là il faut tout simplement farmer la nuit noire toutes les semaines afin d'espérer obtenir un loot convenable. Et enfin, troisième et dernière solution, il faut abuser des 3 de denier qui sont actuellement le seul item en vente chez Xur qui peut vous permettre d'obtenir des exotiques à 310. Donc ces fameux items que vous devrez utiliser systématiquement avant d'affronter un boss supérieur. Et il est vrai que le ratio est très très faible, ou en général en utiliser une très grosse quantité avant d'obtenir un exotique intéressant, mais cela reste l'une des 3 possibilités les plus efficaces à l'heure actuelle. Donc voilà comment monter votre personnage jusqu'au niveau 310 de lumière, avoir le spectre et l'item de classe dans le raid, avoir une relique à 310 encore une fois en faisant le raid, espérer looter de très bons équipements encore une fois dans le raid, et enfin, dernière solution pour les quelques pièces qui vous manqueraient, infuser de l'exotique, c'est-à-dire réaliser des nuits noires à fond et abuser des 3 de denier. Donc vous l'aurez compris, pour être 310, il n'y a pas de solution miracle, il faut farmer le raid La Chute du Roi et en contrepartie utiliser un maximum de fois les 3 de denier. Donc toute la stratégie repose sur ça, j'espère que cela va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, à laisser vos petites remarques, votre petit like si cette vidéo vous a plu. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une très bonne semaine, bon courage à tous ceux qui bossent et reposez-vous bien pour tous ceux qui sont en vacances. Ciao tout le monde !